retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le tutoriel ou un DIY, ce que vous voulez, de stickers. Voilà, donc moi j'ai fait ce modèle là. Voilà, donc j'espère que le tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme matériel, vous aurez besoin de scotch gros comme ça ou alors un fin comme celui-ci, c'est en fonction de ce que vous avez, d'une paire de ciseaux, d'une feuille blanche, de tampons ou alors de dessins que vous faites vous-même, et d'une encre, voilà, et de papier sulfurisé, voilà, de papier cuisson. Donc c'est parti, on va commencer. Donc pour commencer, vous prenez une feuille de papier sulfurisé à la taille que vous voulez, ça c'est vous qui vous l'adaptez à votre sauce. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais bien le maintenir avec du poids, on va dire, pour éviter qu'il bouge pendant que je mette le scotch. Donc ben c'est parti, on met le scotch par dessus. Donc voilà, ça y est, j'ai mis du scotch sur la moitié puisque l'autre moitié je vais pas m'en servir. Donc ensuite je prends une feuille blanche, n'importe, ça c'est vous qui décidez. Je prends mon tampon. Ah oui, donc je vous ai dit, je vous ai pas dit, mais si c'est un tampon que vous devez colorier, prenez des feutres ou des crayons de couleur, ça c'est vous qui vous le voyez. Donc là je vais tamponner plusieurs fois ce motif sur ma feuille. Voilà. Je vais en faire 6, on va dire. Donc pensez à bien les espacer sur le papier parce qu'après vous devrez bien les découper entre eux. Donc voici le motif que j'ai choisi. Donc c'est un petit dragon ou je sais pas, pour moi c'est un dragon ou un dinosaure pour ceux qui veulent. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est ça. Donc là je vais prendre une lingette pour bien sûr bien nettoyer mon tampon après l'utilisation, pour éviter qu'il sèche, et je vais le colorier. Donc voilà, ça y est, je les ai coupés, tous mes petits dragons, dinosaures, ce que vous voulez. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les mettre sur le scotch que j'ai disposé sur mon papier cuisson. Donc je laisse quand même de la marge entre les personnages pour que la découpe soit plus simple. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du scotch par-dessus. Donc voilà, ça y est, j'ai découpé les petits dinosaures séparément, enfin les petits dinosaures, les petits dragons pour moi. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de couper autour
Voilà, en laissant un espace pour que ça colle bien sur le support sur lequel vous allez coller. Donc je le découpe et je reviens. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de découper mes petits dragons. Donc, oups là. Donc voici ce que j'obtiens. Donc vous voyez, j'ai quand même laissé un peu de marge autour. Et donc après, il vous suffit juste, en cherchant bien comme un sticker, c'est ça qui prend le plus long, à enlever le papier sulfurisé à l'arrière. Et ça vous donne un sticker. Voilà, donc c'était un tuto assez rapide, assez simple, on va dire. Après, vous faites les stickers que vous voulez. Moi, j'ai fait cela parce que j'avais envie de faire des dragons. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!